Ça a marché. Contrôle pour lancer la hache. Ouais, ça je me rappelle parce que j'arrêtais pas de le spammer. Ah, par contre, pour rappeler la hache. C'est bon. Ça c'est que je suis pas full vie d'ailleurs. J'avais sauvegardé full vie. Ah. Allez, let's go. Il y a de l'argent en plus dans ces jars. Tu penses qu'on sera en sécurité? Tu penses que c'est plus sûr ici? Acier doux. Et du coup, il vient d'où? Pété. Maintenant! Ce sont des Eliens? Ils sont vivants, regardez! Préparez les feux! Zygmunt, des couteaux! Tant de jours sans viande fraîche. What? Viande? Nous? Reste derrière moi. Et s'ils se transforment comme les autres? On va devoir les maintenir en vie! Taillés dans la viande. Attends, je me rappelle plus comment on frappe! Morceau. Laisse-moi m'occuper d'eux. Prenez la vie. Encerclez-le. Ah oui. Ce n'est qu'un homme. C'est tout. Ah mais c'est que des hommes en fait. Les chiffres molles quoi. Bim. Ah dans ta gueule. Bim. Il a mis une tac dans. Tac dans le cou. Atreus. Draugr. Draugr. Ok. Arrête de pleurer, fils! Bim! Ferme ton cœur à la douleur. Allez, viens. Une longue route nous attend. Oh, fuck! Have you seen The Walking Dead? Je m'en occupe. Aïe! C'est bon, je me rappelle comment on fait. Merde. Ah mais... Ah mais attends, j'ai pas encore les réflexes. Ah c'est bon. Ah mais je pensais pas qu'il attaquait de si loin. Oh ça va là. What? Attends. Attends, j'ai une idée, moi je vais te casser la gueule à la main, tu veux pas te mourir à ma hache? Moi je vais te casser le cul. Ah! Allez, rentre chez ta mère. Dégage. Tu veux pas mourir de ma hache, tu mourras de mes poings. C'est terminé. On a compris, Atreus. Alors ressaisis-toi. On doit trouver la sortie. Moi, il faut que je trouve des points de vie sur toi. Ici. Au pied. Atreus, ici, au pied. Trouve un moyen de me hisser. D'accord. Et te dépêche pas, hein, surtout. Oh.
Ah, fils. Qu'est-ce qu'il branle? Mais plus vite! À ton âge, on est jeune et fougueux, rapide. Oh là là! Tu veux pas te dépêcher là? Atreus, la chaîne. La chaîne? Oui. Ah, c'est lui le zombie maintenant. Il va tomber. Tu vas tomber! Tu réfléchis trop, mon garçon. N'y pense plus. Il t'aurait tué. Les jeunes de maintenant, de toute façon, c'est plus ce que c'était. Hein. Je comprends, c'est juste que. La motivation. Dans ce cas, nous allons rentrer. Quoi? Abandonner si vite, alors que nous venons de partir. Non, j'abandonne pas. Je peux le faire. Il faut juste que je... Enfin, que je reprenne mes esprits. Il voulait jouer à Fortnite et pas sortir. Prêt. Allez, lui, hein. Sur les points de vie, s'il y, a, si y en a, je suis preneur. S'il y en a pas, bah. Je suis preneur quand même. Il y a eu un Wookie qui a fait un bruit. Écoute-moi. Pour bien se battre, un guerrier doit être sans pitié. La route qui nous attend est longue et semée d'embûches. Elle n'est pas faite pour un enfant. Alors sois un guerrier. Je comprends. On va se taper contre un ours. 100%. Il y a un truc comme ça là. Là, il y a un gros point de vie. C'est-à-dire, tiens, vas-y, soigne-toi avant que ça commence. Soigne avant que ça commence. Hein. Ah, du coup, est-ce que c'est en bas ou est-ce que c'est en haut? Allez, lève-toi et remue tes fesses. Je vais te donner mon pied au cul si tu bouges pas de là. Ah mais c'est par là qu'il faut aller. Qu'est-ce que t'attends de vous, gros père? Il y a eu. C'est par là ou c'est par là? Je comprends pas, c'est par en dessous ou pas? Non, on va aller d'abord, d'abord en bas. Je comprends rien. Rien ici. Ah là-bas, il y a aussi un ours qui se fait cravacher la gueule. Tommy, tu vas pas t'endormir sur un jeu solo premier. Non, pas quand je suis en stream. Ah, il est correct. Continuez en direction de la montagne. D'accord. Continuez en direction de la montagne. Et en français, sinon, tu peux le formuler correctement. Hein. Sérieux, pourquoi tu restes là? Allez, on va aller voir l'autre, je sais pas ce qui se passe là-bas. Ah, c'est pas un ours, c'est un cheval. Oh putain. Ah non, c'est... Non. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Pas moyen de faire traverser le pont à cette saleté de bourrique. C'est parce qu'elle a peur de quelque chose là-bas dans les arbres. De quoi tu parles? Un dragon. Père, lance ta hache dans ces arbres de l'autre côté du pont. Non. Ceux avec le tronc blanc. Je suis pas forcément d'avis. Tu avais raison. Hey, tu as l'air sacrément futé, mon petit gars. T'es bien un petit gars, non? Il est plus grand que toi. Aucune idée. Cette sale bête m'a jamais demandé le mien, alors j'ai pas demandé le sien. Et toi? Brock. Je me disais bien qu'il était cassé. Tu sais, tu vas sûrement pas me croire, mais cette hache que t'as là, eh ben c'est moi qui l'ai faite. Moi et mon frère. Une de nos plus belles réussites.
Alors laisse jamais personne y toucher en dehors de nous deux. Tu dois la manier avec grâce, si t'as pas envie de l'esclater. Je peux y jeter un œil et te la peaufiner maintenant, si ça te tente, le balèze. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Tu avais raison. Je ne te crois pas. Viens, mon garçon. Il y a une rune qui a la forme d'une fourche en bas du manche. C'était notre marque, mon frère et moi, avant qu'on se sépare. Regarde, j'en ai une moitié ici. Alors, tu veux que je l'améliore, oui ou non? Très bien. Tâche de ne pas me décevoir. Petit bonhomme. Ce sera très utile, ce gars. Pas de problème. Mais où est l'autre moitié de la marque? Ah, c'est mon imbécile de frère qui l'a. Mais c'est moi qui ai tout le talent. Regarde. Bon, qu'est-ce qui s'est caché? Bienvenue dans l'atelier des nains. Ici, vous pouvez améliorer vos équipements ou en fabriquer de nouveaux. Cliquez pour accéder, pour améliorer. Brock vous a donné une flamme de glace. C'est une ressource rare. Les ressources trouvées dans le monde vous permettent de fabriquer des équipements et de les améliorer. Cliquez pour sélectionner la hache. L'équipement de Kratos dispose de niveaux de puissance et de stats. Améliorez la hache pour augmenter ses niveaux ainsi que la force afin d'accroître la puissance globale de Kratos. Ses stats, les niveaux de puissance et les stats de Kratos sont affichés ici. Appuyez sur B pour afficher la description des stats. B. Ok. Vous pouvez augmenter les dégâts infligés par les attaques runiques en augmentant les runes. Ok. Augmente les dégâts infligés par les attaques runiques et les dégâts élémentaires. Vous pouvez réduire le temps de récupération des attaques runiques en augmentant la récupération. Réduit le temps de récupération des attaques runiques et des invocations runiques des talismans. Chaque stat confère un avantage en combat. Appuyez sur B de nouveau pour masquer la description. Quand vous améliorez un objet, le niveau de puissance et les stats obtenus s'affichent sur la carte de l'objet et sont aussi reflétés sur le tableau des stats de Kratos. Ok. Améliorer une arme de façon permanente permet d'augmenter ses stats. Vous devez vous équiper d'autres objets pour influencer les stats de Kratos. Les ressources nécessaires à l'amélioration d'un objet sont affichées en bas de sa carte. Appuyez sur H pour améliorer la lâche. Vous avez amélioré H2, Léviathan. De nouvelles compétences sont disponibles dans l'onglet compétences. Là, j'ai passé au niveau 2, trouver une autre flamme de glace pour poursuivre l'amélioration. En améliorant vos armes, vous déverrouillez de nouvelles compétences. Pour les acheter, allez dans l'onglet compétences. Alors, cliquez pour accéder au menu fabriquer où vous pourrez confectionner de nouveaux équipements. L'arc serre. Non. Protection de torse. Oh! Mais je suis riche en fait! Alors, c'est les stats que je gagne à droite. Donc, je perds 8 de force avec ça. Je gagne 4 de défense. Je vais faire la même méthodologie que dans World of Warcraft. S'il n'y a pas plus de 2 stats vertes. S'il n'y a pas plus de stats vertes que de stats rouges, je prends pas. Armure d'Atreus. Réduit le temps de rechargement. Il n'y a rien de base? Comment ça se passe? Je peux pas comparer avec des stats? Il n'y a rien actuellement du coup. Réduit le temps de rechargement des flèches de l'arc serre. Les ennemis en l'air subissent plus de dégâts. Augmente les dégâts de corps à corps infligés par Atreus. Non. Je suppose qu'il va faire plus d'attaques à distance. Les ennemis étranglés par Atreus subissent plus de dégâts. Accélère la vitesse de récupération d'Atreus après une attaque ennemie. On va essayer celui-là. Table pour comparer. Ouais, c'est celui-là l'autre qu'il avait. Tenue de deuil noir portée par Atreus pour rendre hommage à sa défunte mère. Les ennemis étranglés par Atreus subissent plus de dégâts, donc c'est de la merde. C'est être aussi. Ça protège déjà. Il y a moins à frapper. Ouais, c'est ça. Oh, ça y est, on a choisi. On part sur quoi? Arc serre.
Ça, c'est son arc. Et là, il a rien par défaut. Augmente les dégâts des flèches et débloque l'achat des compétences pour l'arc serre avec de l'XP. Ok. Besoin d'autre chose ? Et donc là, il y a rien à faire, il y a rien à faire. On peut vendre. On peut vendre. Du coup, ce que j'avais précédemment. Une envie particulière ? Ça, c'est ce que j'avais. Ah non, c'est ce qu'il a. On peut le mettre à poil, le Atreus. Jouet perdu. Ça, est-ce que c'est des trucs à vendre ou à utiliser ? Est-ce qu'il y a des choses qui fournissent que de l'argent et qui ne sont inutiles pour les compos ? Échangez vos jouets perdus contre de l'argent à l'atelier des nains. Ils vous serviront pas au cours du voyage. Ah bah voilà. Bah en fait. Bon matériel. Échangez vos masques contre l'argent à l'atelier des nains. Bah voilà. J'ai répondu à ma question avec la description. Et ne regarde pas, mais nos amis qui se cachaient dans les arbres sont de retour. Allez, c'est le moment de tester ta hache. Ouais, pour moi ? Ouais, tant que tu casses rien. Ouais, Trius il attaque plus en fait, genre il est en grève ou comment ça se passe? En mode gilet jaune? C'est passable! Je sens la différence? Quelle différence? Rien fait du tout hein! À la base, moi je voulais voir. Comment on fait ? Mon père est un vrai tueur ! Le truc des compétences, il parlait ? Ah, voilà. Niveau 2 ! Visez, maintenez, clique droit pour charger la hache, Léviathan, et causer une explosion à l'impact. Ouais, c'est quand même l'attaque au corps à corps qui sera la plus utile. Du coup, ça. Si on peut pas l'acheter, il faut un niveau de récupération. D'accord, tu peux acheter que par rapport à un niveau de récupération spécifique. Ok. Et de l'XP aussi atteint. Ok. Donc celle-là, on pourrait l'acheter, j'ai l'impression. Voilà, cette compétence ne dispose d'aucun bonus supplémentaire. Ok. Et ça ? Après avoir réussi à lancer de précision à la hache. Point faible et coup de la tête. Appuyez sur R. Ouais, c'est tout basé sur les lancers, c'est pas fou quand même. Ça c'est pour Atreus. Ouais. Ça on sait pas ce que c'est. Ça c'est. On peut pas les acheter. En fait c'est automatiquement débloqué. Ah non, acheter H, je suis con quoi, je suis bidou quoi. Attends. Ah oui, d'accord, je peux acheter tout en fait. Ok, je peux tout acheter, ok. Donc, maintenez clic droit pour asséner un coup de fendoir brutal à la hache, infligeant d'importants dégâts, d'accord. Du coup, celle-là, enchaînez rapidement vos coups sans subir de dégâts pour charger la hache Léviathan et infliger des dégâts de givre à chaque fois que vous touchez l'ennemi. Permafrost. Un puissant coup fatal après un enchaînement d'attaques rapides. Ouais. Maintenez clic gauche pour une attaque à la hache touchant plusieurs ennemis à la fois et les immobilisant. Ouais, c'est pas fou. Bourrasque de gibbe lors d'un sprint. Appuyez sur clic gauche pour effectuer une attaque sautée. Ah bah ça je le voulais tout à l'heure. Voilà quelque chose de bien en fin de dynamique. Et celle-là, enchaînez vos attaques rapides sans subir de dégâts. On va essayer. On va faire ça. Du coup, armure, Atreus, il y a tellement de choses. Va devenir comme lui. Compétence, il y avait d'autres choses. Ouais, je vais voir quelque chose. Ce chemin
Il mène à la montagne. C'est la bonne direction, oui. Ah, c'est bon, je vais pas lui reparler. Tu veux racheter un œil à ma marchandise? Non! Cassos!